capitaine cache quelque chose. Akeran ne nous trahirait pas, Gabriel. Alors où Démétrian Titus a-t-il servi auparavant? Et comment se fait-il qu'il soit déjà de retour au combat après une chirurgie si poussée? Le sergent Vintiade a parlé d'une équipe de la Death Watch. Lieutenant? Mon frère, avez-vous récupéré? Oui. Les apothicaires devraient effectuer un diagnostic. Je n'ai pas le temps, et encore moins le besoin pour ça. Magos Galeo a également fait part de son inquiétude. Consultez son avis, si ce n'est le nôtre. Si jamais ça devait se reproduire, ça mettrait toute l'escouade en péril. Ça attendra, je dois m'entretenir avec le capitaine Akeran. À vos ordres. Avec nos corps. La mort d'un Archimagos ne sera pas vue d'un bon œil par le culte de la machine. C'est leur faute. Mon frère, quel soulagement de vous voir sur pied. J'ai eu vent de votre condition. Ces rapports étaient exagérés. Ravi de m'entendre. Vos efforts pour retarder la nuit ont été admirables. C'était un sacré spectacle, mon frère. Je dois me présenter à Akeran. Excusez-moi. L'Empereur nous protège. Était-ce vraiment l'œuvre du grand ennemi? Ce n'était pas clair pour vous? Ce n'était peut-être qu'une poignée de fanatiques. Une poignée de cultistes n'aurait pas pu abattre un Thunderhawk. Il a raison. Le grand ennemi est là. Ils ont choisi de révéler leur présence. Ils devaient avoir une bonne raison de vouloir la mort de Nozick. Bon sang, vous pouvez me dire ce qui s'est passé? Nozick a été assassiné. L'Adeptus Mechanicus parlait d'une panne moteur. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Sergent? Des traîtres? Le chaos. Vous êtes sûr? Aucun doute possible, chef. Dégagez le pont! Nozick était sur un projet hautement confidentiel. Aurora? Qu'est-ce que c'est? Une arme. Et les sbires du chaos ont appris son existence. Je ne connais qu'un seul homme capable de poursuivre le travail de Nozick. Morias Leuze, l'apprenti de Nozick. Il a disparu. Son dernier emplacement connu était un bâtiment Mechanicus sur Avarax, qui est désormais infesté de tyrannides. Prenez ça pour utiliser le cogitateur dans le bâtiment. De là, vous aurez accès au tracker de Leuze. Nous avons mis le cap sur Avarax. Soyez prêts dès qu'on entrera en orbite. Chef. Il y avait quoi sur ce vaisseau avec Nozick? En quoi cela vous concerne? Les Mechanicus voulaient à tout prix le récupérer. Mais l'ennemi n'y a pas prêté attention. Quoi que ça puisse être, si on n'a pas Leuze, ça nous sera inutile. Lieutenant, le trajet jusqu'à Avarax va prendre du temps. Assez pour un court diagnostic. Très bien, si cela peut vous soulager. Magos Galeo se trouve à l'armurerie. Comment avez-vous su pour Aurora? J'ai vu le nom dans un rapport de mission dont une grande partie était expurgée. J'aurais préféré rester sur Kadaku et traquer les hérétiques qui ont déshonoré nos frères. Nous les trouverons sur Avarax. À moins que Leuze soit déjà mort. Quel que soit le sujet de recherche de ces technoprêtres, il est encore là.
dans ce système. Je pense que la bataille finale reste à venir. Titus, j'ai entendu dire que vous vous étiez écroulé face à l'épave souillée. Cela m'inquiète. Un simple effet secondaire de la chirurgie. Je suis pleinement rétabli. Sergent Gadriel, j'ose espérer que vous serez dans les parages si jamais votre frère fléchit de nouveau. Oui, frère Chaplin. Si le grand ennemi est effectivement présent, toute faiblesse risque de devenir un cancer pour l'âme. Appliquez les pages du Codex et vous serez protégé des attraits de l'hérésie. Ma foi est incorruptible. Je ne faiblirai pas. Vous avez l'air fatigué, Merrick. Je n'ai pas... Garde prolongée de 22 heures jusqu'à nouvel ordre. Magos Galeo. Vous allez recevoir une nouvelle ration de Vulcan. Votre incident sur Kanako. Je suis très préoccupé. Ça a été bref, probablement à cause de la chirurgie. Les apothicaires ont des devoirs plus pressants. Plusieurs de vos organes vitaux ont souffert de dommages catastrophiques entre les griffes de ce carnifex. Dans cet état, vous avez subi une chirurgie radicale. Votre corps a été ouvert des pieds à la tête. Si une erreur a été commise sans avoir été détectée, cela pourrait vous coûter la vie. Mon frère, nous ne pouvons pas nous permettre qu'un tel épisode se reproduise. Les apothicaires n'ont peut-être pas de temps pour un diagnostic approfondi, mais ils m'ont donné leur aval pour le conduire. Bien, installez-vous. Ça va prendre quelque temps. Vos relevés biométriques ne sont pas à leur niveau optimal, mais tout à fait conformes aux tolérances pour le combat. Je ne trouve aucune explication aux symptômes que vous avez subis. Alors, si vous voulez bien m'excuser. Vous avez les bénédictions de l'Omnibici. J'ai une question. Que savez-vous des recherches de l'Archimagos Nozick ? De telles connaissances n'atteignent que les cimes du mont Olympus. Je ne suis clairement pas au courant de l'objet de ses activités. Je prie seulement pour qu'il reste des archives de ces découvertes. D'y aller. Thank you.
peux pas aller plus loin. Vous allez devoir prendre le monde charge. Dites-moi quand vous êtes prêt à partir. Compris. Merci, mon frère. Le labo se trouve dans cette flèche. Voilà le monde charge. Regardez-moi tous ces spores. Ça va être une sacrée bataille. Dommage de rater ça. Nous devrions être en bas, avec le reste de la compagnie. On y sera. Bien là, c'est tout. Technogure, les réparations du monde charge sont incomplètes. Veuillez effectuer la maintenance sacrée. Le monde charge est hors service. On va devoir trouver un moyen de remettre le courant. Servocrane, comment réparer le monte-charge? Toute utilisation sans réparation complète n'est pas recommandée. Vous pouvez contourner les protocoles de sécurité via la salle de contrôle, à vos propres risques. Nao, c'est la salle de contrôle. L'entrée principale a été détruite. J'ai découvert un autre chemin. Je vous l'envoie. Vérifiez votre écran. Passons par cette porte. Tout est détruit. Mais pas de traces des tyrannides. Ils nous observent. C'est certain. Flèche est infestée. La salle de contrôle est peut-être inopérante. Si on n'a plus de commandes, on trouvera une autre méthode. Nous obtiendrons attention à leur lieutenant. D'une façon ou d'une autre. Venez taper de mon acier. Ils raseront la ville tout entière. Parer à utiliser les tactiques spéciales. Ravitaillement en cours.
termine. Chassez-les de cette position. Du pont sont devant nous, mon frère. Il nous mènera à notre objectif. On dirait que le mécanisme est endommagé. Ça pourrait prendre du temps. Les tyrannides préparent une contre-attaque. Éliminez-les. Seigneur, nous pouvons traverser le pont. Avancez vers l'objectif. Chef, vous semblez avoir repris vos forces. Est-ce que les apothicaires ont compris la cause de votre malaise ? Concentrez-vous sur la mission, sergent. À vos ordres, monseigneur. La salle de contrôle est de l'autre côté de cette porte. Nous y voilà. Utilisez les commandes pour restaurer la puissance. Ça a marché. Descendons. Il semblerait qu'il y ait un raccourci en passant par les toits à l'est. Parfait. Continuons. Pour quelle raison ces créatures attaquent-elles l'installation ? Elles n'ont pas besoin de ces technologies. Elles sont comme des graines portées par le vent. Elles veulent se répandre et dévorer tout ce qu'elles trouvent. Travail, arme sacrée.
détruite. Venez vous faire massacrer! Dégagez cet obstacle. Oui, chef. J'engage un nouveau chargeur. Cette ouverture! Est très exposé. Ça risque de secouer. Si mes souvenirs sont exacts, les bons de charge ne vous réussissent pas. C'est de l'histoire ancienne. Je préfère ne pas en parler. Au moins, vous vous en êtes sorti. Les orques ne peuvent pas en dire autant. Il semblerait que nous ayons leur attention. Et ils ont la nôtre. Ils risquent de le regretter. Chargé.
patrouille attaque les chaînes. D'autres gargouilles tentent un sabotage. Aujourd'hui, saloperie de Xenos. Vous avez admirablement combattu. Bâtiment en confinement. Il nous faut des explosifs. Rien ne passera cette porte. Des tunnels d'aération. Vérification. Un étage plus bas. On y va. Écrit avec du sang sur le Sundorok de Nozick. Lui mourra. Gardez le silence, mon frère. Les mots du grand ennemi sont puissants et dangereux. Nous devons utiliser toutes les données pertinentes. Avez-vous déjà affronté le grand ennemi, sergent? Hélas, je crains que non. Alors je vous suggère d'écouter votre frère. Si le grand ennemi est impliqué, ne risque-t-on pas de les croiser ici? Je ne demande pas mieux. J'ai quelques mots à dire à ces traîtres. Mon sang bouillonne rien qu'à les entendre nommer. Ils seront friands de votre haine. Assurez-vous qu'ils ne puissent la retourner contre vous. Par ici, mes frères! L'Adeptus Mechanicus s'est battu à cet endroit. Ces infâmes créatures fouillent jusqu'aux moindres fissures. Le cogitateur est encore loin? Sans chemin direct. Je crains que notre trajet soit plus long que prévu. Pourquoi n'attaque-t-il pas? Il prépare quelque chose. Je ne crois pas que ces insectes soient capables de préparation. Ce ne sont que des drones. Qui les dirige dans ce cas? Un adversaire puissant. Segmentum ruche. Deux couloirs, deck 1, 9, K, 2, 1, B, slash, technoprêtre senior 1, 0,
Connexion neuronale 1-0-1-0-1-0-S-8-1. Attention, élément Xeno. Classification tyrannide. Dégâts de griffes enregistrés. Membre inférieur non réactif. Allez à mort. Échec de liaison montante. Tentative de répétition. Code de vérification neuronale 1-0-1-0-1. D'autres saletés de tyrannide. Un fléau souillant les mondes de la seule présence. C'est verrouillé. Cherchez un terminal d'accès. J'essaie de réinitialiser le circuit. Que s'est-il passé? Plus de courant, c'est sans doute la réinitialisation. Écoutez. Ils sont dans les murs. Préparez vos bolteurs. Et voilà. Surveillez vos arrières. Passons la porte. Allons par là. Ici, mes frères. Nous y sommes presque. Le bâtiment principal nous mènera jusqu'aux bases de données. Attendez-vous à une forte résistance. Chercherait-il à entraver notre mission? Il ne s'intéresse pas à notre mission. Il souhaite seulement nous tuer.
défi, la mort. Éliminé. Je pensais qu'une telle bête offrirait plus de résistance. Elle était en infériorité numérique. J'ai déjà affronté un Carnifex sans autre renfort que mon pistolet moteur. Ça, c'était du combat. Je suis heureux d'avoir pu partager la gloire d'une telle victoire. Le centre de données soit intact. On peut accéder à la localisation de l'œuf depuis un autre système? Je ne crois pas. C'est ça ou rien. Justifier un tel gâchis de vie humaine. Moi, je ne suis pas surpris. L'Adeptus Mechanicus embrasse toujours volontiers sa part de monstruosité. Sécurisé. Accès rétabli. Couloir dégagé pour le transit. Progressez au bon couloir de l'Omni-Messie. Du grand ennemi. Peut-être sont-ils déjà partis. Peut-être n'ont-ils rien à voir là-dedans. Évitez d'abuser des conjectures, mon frère. Je ne fais que relever les faits, comme nous l'enseigne le Codex Astartes.
réacteur de Volkit, encore en marche. Espérons que l'esprit de la machine le contrôle encore. Une fusion serait catastrophique. Désactivons-le dès qu'on a les données. Lieutenant Titus, 2e compagnie des Ultramarines. Transmettez vos ordres. Localise Morias Leuze. Accès refusé. Rite d'accès accordé. Recherche du lieu. Avarax, la ville, le temple de Tasséan. Signe vitaux élevé. Je vais demander un Thunderhawk. Attendez. Ouvrir fichier projet Aurora. Indiquez le motif de votre requête. Ouvre le fichier. Ouvrir fichier reconstruction. Mon frère, c'est confidentiel. Ça a été détruit. Foutu Mechanicus. Affiche l'emplacement actuel de l'artefact. Attention, réacteur de Volkit instable. Effondrement. Tout risque de s'effondrer. Sur la ville juste en dessous. Dégagez-les du noyau. Ils se jettent dans le réacteur. Il faut l'éteindre avant qu'ils ne déstabilisent davantage. Esprit de la machine, désactive le réacteur. Demande impossible. Les circuits distants ont sauté. Comment m'a-t-elle ? Explique-toi. Les mécanismes de désengagement d'urgence sont situés sur la plateforme du réacteur. Dégagez un chemin jusqu'à ses commandes. Du réacteur. Nouveau chargeur. Ultramar.
détruite. Je prends l'équipement. Je dois recharger. Ils n'apprennent jamais. Réacteur au bord de la défaillance critique. Panne imminente. Libérez le dernier pylône pour terminer la séquence d'arrêt. Activez ces commandes, maintenant! Pylône de Volkit, largué. La réaction est entrée en déclin anthropique. C'était le dernier. Générateur de secours éliminé. Retour des systèmes non essentiels en hibernation. Aucun signe de tyrannide. L'odeur d'icor brûlé est suffisante. On a ce qu'il nous faut. Rejoignez la zone d'extraction. Lieutenant, qu'avez-vous vu dans ces... fichiers du Mechanicus? Un agrégat de folie insensée. Mais encore,
Vous pourrez demander directement à notre capitaine. Je veux un aperçu tactique de la ville. Capitaine! Une minute! L'Adeptus Mechanicus doit être arrêté. Quoi? S'il déclenche l'arme, ça peut tourner à la catastrophe. Et depuis quand êtes-vous expert en recherche, Mechanicus? Ils utilisent un artefact pour alimenter l'arme. Je l'ai déjà vu, sur une planète appelée Graia. Un traître appelé Nemeroth y voyait un fragment de la puissance des dieux sombres. Ça a bien failli détruire la planète! Graia? Titus, les Mechanicus appliquent les ordres approuvés par le Primarque. Et vous, vous osez me parler de Graia? Son capitaine, si le chaos est là, s'ils mettent la main sur cette chose... Assez! Je ne veux plus en entendre parler. Bien. Est-ce que vous avez localisé l'Eus? Oui, chef. Alors, allez le chercher! D'autres que moi n'hésiteraient pas à vous renvoyer devant l'Inquisition. Faites attention.